Culture. Linda, bonjour. Bonjour Hakim. Les marchés, les places de marché, les places de souk sont toujours animées. Et lorsque c'est Yanaïed, c'est encore plus beau. Alors, ils sont animés absolument. C'est l'ambiance festive hein, de Yanaïed qui, à chaque rendez-vous du 11 à partir du 10, 11, il y a les festivités de Yanaïed. C'est vrai que cette année, on vit ce moment avec des événements assez spéciaux, difficiles de la Palestine. Mais nous avons donc, on tenait à marquer l'événement avec Yanaïed. Yanaïed, donc hier, il y a eu l'inauguration de ce souk, de ce grand marché qui se déroule actuellement au niveau du centre-ville d'Alger. Et puis vous avez donc un nombre important d'artisans venus des quatre coins du pays, exposer, présenter leur savoir-faire, vendre aussi. Et puis aujourd'hui, même le mouvement associatif s'est mis au rendez-vous avec Yanaïed, puisqu'à travers tout le territoire national, vous allez voir qu'on fête Yanaïed. C'est vraiment devenu un phénomène important. Chez nous en Algérie, vous avez par exemple aujourd'hui les réseaux sociaux qui jouent un rôle très important. Vous pouvez aller fêter Yanaïed à Tieni, comme vous pouvez fêter Yanaïed à Miliana, à Alger, à Ghardeya. Les infos vont vite, voilà, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Les infos vont vite, et un phénomène d'organisation extraordinaire via les réseaux sociaux où les gens, surtout cette année Yanaïed, c'est un week-end, donc beaucoup de personnes vont se déplacer à travers le territoire national, et je trouve que c'est vraiment une très très belle opportunité. Hier aussi, il y a eu la conférence de presse, qui est un événement qui se prépare au niveau de l'Opéra d'Alger Boualem Sayeh. C'est le programme. Pour le 20 janvier, il va y avoir un méga concert pour la Palestine, pour Gaza. Les tickets des billets, la vente des billets s'est faite déjà à partir d'hier. Vous pouvez réserver vos places et acheter vos places en solidarité avec le peuple palestinien. Le billet est à 1000 dinars. J'invite ceux qui nous écoutent ce matin à aller rapidement acheter leur billet parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ça va être un superbe gala, concert pour Gaza. Et on va revenir sur ça certainement. On n'oublie pas. Et puis ce concert, c'est un concert où les sous vont être reversés au peuple palestinien. C'est très très important de le mentionner. C'est une façon aussi de dire que l'Algérie également, par des actions artistiques, nous soutenons Gaza. Et nous restons toujours aux côtés de nos frères et sœurs palestiniens. Absolument. Merci. Merci. À tout à l'heure.